Bonjour, alors Jean-Luc Reichmann a quitté la Corse pour traverser l'Atlantique pour se retrouver donc place des Lys à Saint-Trope où hier il a participé à un concours de boules. Donc là on peut le voir avec sa jolie femme. Donc il est arrivé troisième. Donc bon, bah, Jean-Luc, hein, l'important c'est de participer. Sinon, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Ali, le papa de Paul, était revenu du Maroc. Il était revenu avec un petit cadeau. Donc c'était une étoile en métal doré qu'un ami avait faite spécialement pour Jean-Luc Reichmann. Donc, eh bien, Jean-Luc a fait un bisou à Paul et puis il a fait aussi un bisou à Ali qui lui aussi portait un Bermuda. Après, donc, la première question au coup d'envoi, quel club breton a remporté la Coupe de France en 2019, donc le Stade Rennais. Après, donc, vous aviez Loïc, d'où vient la coutume qui veut qu'on ne passe pas le sel à table? Donc, c'était la peur de le renverser. Après, donc, vous aviez la jolie Pauline, qui avait vraiment de très jolis yeux. D'ici 5 ans, que va-t-on pouvoir faire à nouveau en Ardèche? Eh bien, c'était de prendre le train. Vous aviez Tiffen. Alors, Tiffen, elle avait un fils qui était autiste, mais un autiste profond. Donc, eh bien, on espère que ça va un peu mieux pour son fils d'ici quelques années. Sinon, donc, la question 1882, dans le cadre des lois sur l'instruction publique, qui était formé au tir au fusil dans les bataillons scolaires? Eh bien, c'était les élèves. Ensuite, quel docteur a accueilli Vincent Van Gogh à Auvers-sur-Oise? Donc, c'était le docteur Gachet. Et puis, alors, à ce moment-là, Paul, comment dire, a crié que la vie était injuste, parce que c'est vrai que Van Gogh a vécu vraiment dans la misère, et puis que bon, de savoir que maintenant ses toiles sont vendues des millions et des millions d'euros, donc il a vraiment trouvé que la vie était vraiment très injuste par rapport à ça, et sûrement sur beaucoup de choses. Quel oiseau à l'origine du mot édredon utilise-t-on autrefois pour garnir ces derniers? Donc c'était l'éider. Après, quelle lettre dessinée en série par les écoliers dans leur cahier est qualifiée de cool, de pointu ou du skater? Donc c'était le S. Quelle astuce le conservateur du musée londonien Tok a-t-il trouvé pour que les visiteurs soient plus attentifs aux œuvres exposées? Donc il glissait un faux dans l'expo, donc c'était pas idiot. Donc et bien encore sur cette question, eh ben elle est passée encore une fois à l'orange. Donc au bout de deux fois à l'orange, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris la jolie Pauline en duel.